Coucou. Voilà, est-ce que toi tu as vu que demain, Sigrun, donc demain, mardi 22 janvier, de 14h à 18h, Sigrun va faire un marathon, un mastermind marathon, dans l'idée, et elle fait ça chaque année, et c'est incroyable, 4 heures où elle va être présente pour te coacher. Donc, si tu as des idées pour ton business actuel ou ton futur business, c'est ton occasion. Je pense que c'est, à mon avis, la dernière pour pouvoir te faire coacher par elle, de lui poser tes questions en direct et elle va y répondre. Il est déjà super intéressant de même assister à ce coaching qu'elle fait parce que souvent, les questions des autres répondent à nos questions aussi. Donc, je te le recommande vivement. Prends ce temps, va dans cette conférence et écoute ce qui se dit, écoute les questions des autres, encourage-les dans le chat. Et si tu as des questions, essaye d'avoir ce qu'on appelle un hot seat. Un hot seat, c'est peut-être tu as déjà vu ça ici, c'est Sigrun sur la vidéo d'un côté, toi sur l'autre, et elle va te poser, enfin tu vas poser tes questions et elle va te répondre. Et je peux te dire, j'ai déjà vu ça souvent, ça change vraiment la vue sur les choses qu'on a et parfois ça change carrément toute une vie de ce qu'elle te donne comme information et comme insight hein, de ta propre manière de réfléchir. Hein. Et alors, si tu veux me soutenir, parce qu'elle va m'interviewer à 16h15 sur mon histoire, moi je suis dans Zumba depuis un an et tout ce que, enfin mon business, mon activité a vraiment évolué super fort depuis que je travaille avec Sigrun. J'ai gagné énormément en, enfin ma mailing list a grandi, j'ai gagné en confiance en moi, en clarté surtout. Et cette incroyable communauté qui est là derrière, ça change aussi énormément des choses. Moi je sais pas faire les choses seules dans mon coin. J'ai même travaillé avec un coach un à un comme ça pour moi. Pour mon business, là, j'ai vraiment besoin d'un brainstorming, cette fourmilière, je ne sais pas si c'est positif en français de le dire, mais de personnes qui réfléchissent à ton problème que tu vas poster dans le groupe ou la question que tu te poses. Et ça, c'est incroyable. Je te donne un exemple de ce qui se passe dans Zumba, par exemple. Si je me dis, voilà. L'exemple de moi-même, l'année dernière, j'avais mon programme, un mini cours de 5 jours que je voulais faire, puis j'avais un programme d'un mois que je présentais et je ne savais pas comment l'appeler. Je savais ce que je voulais faire, mais je me dis, mais comment est-ce que je peux appeler ça? Et donc, j'ai posé dans le groupe plusieurs titres en train de dire, voilà, ce que je veux faire avec les femmes, c'est ça, mais comment est-ce que je peux appeler, quel titre est-ce que je peux donner à cela? Et donc, après, tu as 500 personnes qui sont dans le groupe qui te donnent leur opinion. Et comme ça, tu peux faire un sondage avec des gens qui sont pas du tout dans ce que toi tu fais. Donc, c'est vraiment super intéressant. Et or, ainsi de suite, si tu as quelque chose à fêter, tu le fêtes avec 500 personnes. Si tu es totalement déprimé par un échec, et puis, hein? On a des échecs, hein, c'est clair et net. Tu peux aller pleurer dans le groupe et tu vas avoir tout le monde qui va te dire non, mais t'inquiète, j'ai vécu ça aussi, c'est pas si grave, etc. Donc, c'est une vraie sororité de businesswoman. Et dans cette communauté, ce qui est aussi ce que moi personnellement j'adore tellement, tu as des gens de tous les stades. Tu as Nala qui sont des speakerines de télévision, qui sont super connues, qui ont fait un TED Talk, qui ont écrit un livre. Ils gagnent, je sais même pas combien par mois. Des vrais influenceurs, des femmes qui veulent changer de monde, ils le font aussi. Et tellement inspirante et quand même tous dans le même état d'esprit de entraide incroyable. J'ai jamais vu ça. Celles qui travaillent avec moi connaissent ça dans mes groupes, mais dans un petit comité, mais ici, c'est 500 personnes. C'est extraordinaire. Je pense qu'on ne peut pas trouver ça ailleurs. Vraiment, vraiment. Et donc, ça, c'est quand on a rejoint Zumba, donc le programme de Sigrun, c'est ça qu'on trouve. Et d'ailleurs, comme les portes sont ouvertes jusque mercredi 23, et il y a depuis vendredi 18, il y a plein de nouvelles Zumba Sisters, qu'on s'appelle, hein, qui rejoignent et tout le monde leur souhaite la bienvenue. Et
Waouh, il y a, je me rappelle, j'étais là il y a un an et c'était, qu'est-ce que j'étais heureuse d'avoir fait ça. Et je savais même pas ce qui m'attendait, mais waouh, c'était, j'avais ce sentiment que j'avais fait le bon choix. Et un an après, je le confirme. Je suis toujours encore avec ce même enthousiasme. Mais maintenant, j'ai fait l'expérience, donc je peux carrément te garantir que c'est quelque chose de différent, de incroyable. Oui, voilà. J'ai donc écrit aussi dimanche mon blog, un article gigantesque, un email kilométrique avec ça aussi où je raconte mon histoire depuis l'année où je suis chez Sigrun et aussi ce qui s'est passé avant, qui n'était vraiment pas facile du tout, du tout, du tout, et où j'ai vraiment failli tout laisser tomber. Et si tu veux, tu peux lire ça. Peut-être que ça t'aidera de toi savoir un peu que tu n'es pas seule et qu'on est tous dans le même bain et que si tu veux rejoindre Zomba, tu as encore maintenant 2 jours et demi et tu peux me contacter avec plaisir. On se parle au téléphone et tu peux me poser toutes les questions, comment ça a été pour moi et je t'expliquerai. Vraiment avec plaisir. Et puis demain, Sigrun, tu peux lui poser la question, par exemple, Sigrun, est-ce que tu penses que je devrais rejoindre ton programme? Et elle ne va pas forcément dire oui. J'ai déjà entendu ça ce week-end. Il y a quelqu'un qui voulait absolument venir et tout. Et Sigrun lui a dit non, tu sais, c'est trop tôt pour toi. Donc, et c'est pas la première fois qu'elle dit ça. Hein. Elle est vraiment très très honnête parce que ce qu'elle veut, ce qui lui tient à cœur, et ça j'apprécie ça énormément, c'est que quand tu investis en toi, donc quand on investit en soi, il y a déjà quelque chose de gigantesque qui se passe à l'intérieur de nous parce qu'on se dit waouh, quelque chose dit waouh, tu fais ça, tu investis, tu dépenses de l'argent pour toi-même. Hein? Et ce n'est pas un sac que tu t'achètes ou un vêtement, là, c'est vraiment une formation, quelque chose de différent. Et donc, ça c'est quelque chose, mais Sigrun, elle veut que l'argent que tu as dépensé, que tu as investi, que le plus vite possible tu le récupères et totalement au-delà de ça. Donc, je sais que ça lui tient à cœur et elle a raison et c'est comme ça que ça marche. Et donc, ce n'est pas une garantie. Si toi, tu tournes les pouces et tu crois que tu vas pouvoir récupérer ta mise, alors ça, c'est raté d'office. Si tu te morfonds dans ton coin et tu te dis, maintenant, j'ai dépensé ça, mais je fais plus rien, ça n'ira pas, évidemment. Mais ce n'est pas comme ça que tu vas te trouver. Une fois qu'on rejoint Zomba, on est avec tout ce contenu et Sigrun, elle donne une checklist, elle ne te laisse pas procrastiner, elle ne te laisse pas te perdre. Elle te dit, tu fais ça, après, tu fais ça, après, après tu fais ça, après tu fais ça, tu as ton chemin tracé et elle ne veut surtout pas que tu procrastines et que tu apprends pendant des heures, elle veut que tu mettes en œuvre. Elle nous pousse tout le temps, non, je pourrais parler pendant des heures, elle nous pousse à faire quelque chose, avoir cette expérience et à récupérer l'investissement en triple, en quadruple, sans fin. Et ça se passe. Alors, demain, il y a ce coaching. Si tu as le temps, là maintenant, clique sur le lien que je vais mettre ici au-dessus, ou tu peux rejoindre la communauté de Sigrun. Elle a un petit groupe Facebook, un grand groupe Facebook, et là, il y a déjà des témoignages, il y a des gens qui sont là depuis maintenant un petit moment. Si tu n'as pas encore rejoint, fais-le, 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 fais-le. C'est tout ce que je peux dire. Pourquoi je te pousse? Pourquoi je fais tout ça ici? Tu vas te dire, waouh, qu'est-ce qu'elle veut vendre celle-là? Non. Ça a transformé ma vie. J'ai vu, et j'ai des amis qui, même la semaine dernière, m'ont téléphoné en pleurant parce qu'elles se sont fait, enfin, je vais pas dire arnaquer, mais elles ont dépensé beaucoup d'argent, déjà pour la troisième fois maintenant, une amie, pour acheter un programme qui lui a apporté rien, qui a fait en sorte qu'elle soit encore plus déprimée, encore moins de confiance en elle parce qu'elle est arrivée à rien. Parce qu'en fait, il ne suffit pas de connaître la technique. Il suffit pas d'acheter un programme qui t'apprend les publicités Facebook, les vidéos Facebook, Zoom, Instagram, blablabla. Ça, tu peux faire presque tout seul. Hein. C'est rien. Ça, ce qui est important quand tu veux avancer dans le business, et là, je parle totalement d'expérience, c'est d'avoir un coach qui tient à toi, qui a le cœur au bon endroit et qui veut ton évolution.
et qui a aussi un background intéressant, qui sait de quoi il parle. Hein. Et ça, Sigrun a plusieurs diplômes universitaires, elle a été PDG, donc la question ne se pose même pas chez elle. Donc, quelqu'un qui a du succès, qui a fait du chemin, qui a vécu des choses, tu as besoin d'un coach comme ça. La deuxième chose dont tu as besoin, absolument, surtout si tu es une femme, c'est une communauté qui te porte, une communauté avec qui tu peux partager tout. Ce n'est pas interdit d'avoir de la peine, ce n'est pas interdit de te sentir mal. Tu vois, il y a des communautés où c'est interdit, ça. Je ne sais pas si tu sais ça. Et tu peux parler que « Waouh, tout va très, très bien !» Non, ce n'est pas comme ça ici. Et tu as besoin de ça et tu as besoin d'avoir accès à des modules et des contenus que tu peux consommer comme tu veux. Tout est accessible dans Zomba. Tu peux vraiment, comme un buffet, aller chercher ce dont tu as besoin. Et ces trois éléments ensemble sont absolument magiques. Et donc, si tu as besoin de soutien et d'aide, tu as besoin de quelque chose comme ça. Et je sais que chez Zomba, tu trouves exactement ça. Ça m'a sauvée. Je serais à l'heure actuelle en train de pourrir dans un bureau, en train de me morfondre et pleurer sur mon triste sort parce que j'aurais pas eu, si le courage j'aurais eu, mais j'aurais pas eu trouvé le soutien pour réaliser mes rêves et vraiment aller même au-delà de ce que je considère ma mission de vie. Et c'est trop triste. Je vois des femmes qui vivent ça, qui sont au bord du désespoir ou déjà dans le désespoir parce qu'elles n'ont pas trouvé l'aide qu'il leur fallait et qu'elles croient que ça n'existe même pas. Ça me fait mal au cœur, vraiment. Et donc, je connais personne de mieux que Sigrun. Il y en a peut-être, mais je ne connais pas. Donc, moi, ne pas recommander quelqu'un comme ça et quelque chose comme ça, c'est comme si je vois quelqu'un qui est mort de soif et je ne lui donne pas à boire. Tu vois? Bien sûr, je suis aussi affiliée et donc j'y mets beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts dans le fait de être visible avec cela et faire connaître. Donc, je suis affiliée dans le groupe de Sigrun et si toi, tu rejoins Zomba, bien sûr, je vais avoir une, comment on appelle ça en français, une commission. Voilà, commission, c'est le mot, bien sûr. Et c'est bien que ce soit comme ça. Pourquoi est-ce qu'on ferait, et ça c'est ce que Sigrun enseigne, pourquoi tu vas faire des efforts et des efforts et des efforts et ne pas pouvoir avoir un retour? Ce n'est pas comme ça qu'elle fonctionne. Tu lui donnes ton énergie, ton enthousiasme, ton témoignage et tout, et tu fais tous ces efforts, elle te donne des choses de retour. C'est juste magnifique. Je suis vraiment fière en plus de pouvoir faire cela dans le monde francophone. Donc, si tu as des questions, donc ici les liens, je le mets au-dessus. Si tu as des questions, contacte-moi avec message privé et on peut même parler ensemble jusqu'au 23 janvier. Après, c'est fini et je passe à autre chose, évidemment. Bye bye, très belle journée, très beau démarrage de cette semaine et j'espère que je te vois demain. Ciao!